couleurs. Des as. Où? Merde, je l'avais vu chuter. J'ai gagné. Eh ben, pour une fois. Vous désirez? Les allumettes, s'il vous plaît. On ne fait pas tabac. Excusez-moi, je croyais que... Jouons. Seul le risque rend supportable la sinistre comédie de la vie. Lumière! J'ai dit suite. Et une fois. Roulement de dés. Deux fois. Deus ex machina. Trois fois. Suite. Et voici le professeur dans le rôle de l'éternel perdant. Pauvre aveugle. La fortune est myope et rien n'est éternel. Trèfle. Trèfle. Et capot. C'est du feu que vous cherchez? Et où es-tu allé? Chercher des allumettes. Des allumettes? Avec tous les briquets qu'il y a ici? Et celui que je t'ai offert? Qu'est-ce que tu en penses ici? Là? Ici, c'est bon? Sois gentil, va ranger le livre. Voilà. Depuis qu'on lui a commandé son hôpital, l'architecte ne se sent vraiment plus. Hein. L'architecte se sent très bien dans sa peau. Allez, sois gentil, fais ce que je te dis. Va ranger les livres. Maman! Oh, laisse-la tranquille. T'as rangé ta chambre? Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je joue avec Big Jim. Avec? Big Jim. Allez, dépêche-toi, va vite. Va ranger ta chambre. Oh, il faut tout leur dire. Ils sont mous. Quand j'avais leur âge, il est vrai que j'avais pas besoin de ranger les livres, il n'y en avait pas. J'avais même pas de quoi m'acheter une bicyclette. Fini le secrétariat. Licencié, tu touches tes indemnités de chômage. T'en as de la chance. Elle dort. Elle en a de la veine. Dis-moi. Tu pourrais revoir ces dossiers? Les charges sociales du bureau. Et puis, n'oublie pas, il faut organiser sa liberté. Inscris-toi à un cours. Cigarette? Merci bien. Si vous voulez du thé ou du café, il y en a à la cuisine. Non, merci. Super. Dis donc, la princesse qui avait des bleus partout, elle s'appelle comment déjà? Oh, fous-nous la paix avec les princesses. Un thé, s'il vous plaît. Non, plutôt un citron pressé, merci. Vous voulez? Merci. Vous n'êtes pas du quartier? Depuis quelques jours, oui. Mais je cherche la poste. Elle est où? C'est un timbre que vous voulez? Oui, un timbre. Dis donc, t'aurais pas un timbre par hasard? Pourquoi faire? La dernière fois que je suis allée à la poste, c'était pour envoyer un recommandé ma thèse. Essai de communication avec la tique, parasite du chien. 500 pages de conneries. Nénette.
À toi la tournée. À des bonnets. Une bière. Et toi, t'as bien un timbre? Ah non, moi je collectionne que les cravates. Je viens d'en acheter tout un lot. Non, désolé, ma petite dame. La poste est au bout de la rue, à 200 mètres. Le Hongrois, qui est né à Gennevilliers. Conception et gestation hongroise, notre Clémentine, une grande comédienne. Dans son meilleur rôle, chômeuse. Voilà le prof, formez ça. Ne lui demandez pas un timbre, pas à lui. Notre courrier, le fout à la poubelle. Notre courrier, parce que tu écris, toi? Tiens, commence déjà par signer notre pétition. Moi, signer pour les grévistes? Si tu veux qu'on joue ensemble, mon vieux. Salut, Pain. Salut, jeune homme. Encore du rock. C'est pas que la jeunesse rêve des sonates au clair de lune. La jeunesse, tu vois? Je vais au bureau. Watashi wa jimusho ni ikimasu. 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 Je vais au bureau. On demande le grand architecte. Syndicat. Salut, ça va? Tu as une réunion ce soir? Un programme pour... Encore un? Pour nationaliser l'immobilier? Oui, Patrick. Merci. Merci. Benoît. Je vais être contente, j'ai commandé une autre table. Tu as bien profité de ta journée? Et tu te remettais à la guitare? Écris tes mémoires? Les mémoires d'une secrétaire modèle. Ton ex-patron s'est bien fait éditer. Pourtant, c'est toi qui lui corrigeais toutes ses fautes de français. N'importe qui écrit. Enfin, je veux pas dire que tu sois n'importe qui. Bon, il faut que je file. Posez pour moi. Mais qu'est-ce qui t'a refilé ça? Papa, t'as vu les tableaux de maman? Cachetière.
Tu nous avais pas dit que tu peignais. Tu ne crois pas? Moi, au contraire. Lance-toi dans le naïf, pourquoi pas, improvise. Rappelle-toi ce qu'on a pu gueuler en 68. Plus de maître, art collectif, l'imagination au pouvoir. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Une petite? J'étais sûre de vous revoir, chère madame. Vous jouez? Non. Quelle signification a pour vous l'objet D? Est-ce le symbole du hasard? Le D en arabe, hasard. Hasard. Ou un cube avec des points que l'on perçoit plus ou moins. Hein? Le professeur a enfin trouvé une élève. Bonjour. Bonjour. C'est facile. 4,21, c'est le maximum en cherchant en trois coups. Alors, je le compte. Je garde le 2. J'ai le 4. Tiers. Formidable, gardez-la. Oui. Très bien. Le 2. Tu me dois 10 sacs. Et après, tu m'en 10, comme ça, ça fera 20. Amusant. Maxence, comédien au chômage. Louise. Son meilleur rôle, ce fut le joueur. Non, il était formidable. Hein. À chier, oui. J'affrontais le destin, ce qu'on me mettait en scène qui avait jamais mis les pieds dans un casino. Cherche pas, Coco, distancie. Allez, on joue ou quoi? Allez. Sec. Deux as, trois. À vous. 4,21. C'est vrai? Sec. T'exagères, mes gueudas sont pas cirés. Oui, d'accord. Et dis donc, maman, il n'y a plus de confiture. Ah ben, c'est pour moi. Allez, on fait la DR, je commence. Et dire qu'il était venu ici pour sa thèse. Structure et phénoménologie du jeu. Deux tiers sans deux, je laisse. Ne me dis pas que t'es raide, hein. Une minute. 25? Non mais tu rigoles. Alors la moitié tout de suite, puis le reste en justice. Allez, allez. Tu peux me prêter un peu d'argent? Ah oui. C'est pas ça. Merci. Et Maxence? Il est là-haut. Il est en train de jouer au poker, il va perdre comme d'habitude. Celle-là, vous savez qui c'est? C'est la vieille du Hongrois. Gras comme il est, elle l'entretient. Rodit, vous avez vu ce qui arrive au prince de Monaco? Oh, oublie-nous avec ton prince. Le chevalier, ça te suffit pas? On ne dirait pas, mais son arrière-arrière-grand-père... avait une si belle tête que les amis de l'incorruptible dirent « Donnez-la au peuple ». Physiquement, il me ressemblait. Vous êtes sûr qu'il était aussi séduisant? D'où sort cette belle dame? Faut jouer ça. Bravo. Bravo, petit. Alors, allez bien cette partie de gamme. Cher ami, vous me devez une revanche. Et vous, une bouteille de Beaujolais. Valet de cœur. Moi, je jouerais pique. Adélaïde. Vous jouez avec nous? 20 centimes du point d'écart. C'est quoi ce jeu? À vous. Évidemment, vous ne savez pas jouer au yam. Eh non, je sors d'un bureau. Vente par correspondance de matériel éducatif. Alors, le yam ne faisait pas partie de notre patrimoine culturel. Je veux bien essayer. Ça risque de vous coûter cher. J'ai de quoi payer. On joue la simple. Trois colonnes. Une descendante. Vous voulez boire quelque chose? Un thé, merci. Un thé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mini, maxi, full, carré. La suite, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 3, 4, 5, 6. Et le yam, le plus important, tous les chiffres de même valeur. Il y a ensuite la colonne montante. Non, mais ça, on l'expliquera en jouant. Deux, quatre. Loulou, ta femme,
3, 4. À toi, 40. Loulou. À toi. Ah voilà, à chaque fois qu'elle téléphone, elle m'empoudre. Ah ben j'arrive. Oh, oh, tu te prends pour un sous-marin? Puis moi? Ouais, toi. Quand on sera au pouvoir, les types comme toi, on les prendra. Tiens, on te fera une faveur, on te laissera le choix de ta cravate. Pauvre con. Quand vous serez au pouvoir, les jeux d'argent sont interdits. Je passe. Alors moi, j'ouvrirai une boîte clandestine où tous les camarades viendront se défouler. Et qui sait qui se fera du pognon? Bibi! Non. Adélaïde Lequeux. Veuve. Âge? Je t'interdis de dire ton âge. N'oubliez pas, vous nous faites chier avec vos sondages. Il faut bien que je bosse. À moi? Oui. Oui, 3-5. Appuyez sur le 5. Oui. Yam. Sans bruit. Sexe féminin. Vous connaissez l'eau de toilette d'Élise Després? Méfiez-vous des odeurs. Vous l'aimez pas du tout, un peu? Oh, dis, bon. Lâche-nous avec ton patchouli, là. Suite, suite. Suite. Qu'est-ce qu'elle est châtée? Borderet. Qu'est-ce que ça veut dire, borderet? Chanceuse. Ben, avec la chance que j'ai, j'espère que je ne vais pas vous ruiner. Tu parles comment, toi, hein? Monsieur de Valès, psychothérapie par la méthode astrologique. Consultation le matin de 9 à 11. Et sur rendez-vous seulement. Alors, vous savez donc si je vais gagner la partie, là? En dehors de mes heures de consultation, je ne réponds pas à ce genre de questions. Encore des conserves? Quand tu bossais, on vous fait quand même mieux, hein? Je parie que tu cours toutes les expositions. Ah, excuse-moi, ce soir, j'ai un dîner. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Amuse-toi bien. Tu parles entre un urbaniste qui bégaye et un commanditaire qui a un ulcère. Alors? Je te trouve très en forme. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un petit chef-d'œuvre? Tu t'es inscrite à un cours? Oui. Étude sur le comportement humain. Le hasard. Je découvre le hasard. En arabe, hasard. D. Eh ben voilà, t'as gagné. Comme tous les débutants. Vous n'allez quand même pas refuser le pognon qu'il vous doit, non? Eh oh, toi aussi t'en dois. Bah ouais. Ah. Première règle, ne rends jamais l'argent que tu as gagné. Vous permettez que je te tutoie? Ah oui, je te permets. Quand tu perdras, hélas, personne ne te fera crédit. À Louise, qui est unique. À Hélène, ma fiancée. Myope, mais moins que moi. Je l'héberge, elle n'a personne. Oui, c'est vrai, à part mes chats. Hélène est unique. Chaque être est unique. C'est pourquoi... C'est pourquoi ce mec-là qui est pas comme les autres. La vieille, elle a laissé dehors toute la nuit. Pauvre vieux, hein. Adélaïde. Tu viens avec moi, sinon je pars avec Max. Ma Vénus, me fais pas ça, surtout. Je vais danser. Mais Adélaïde, je sais pas danser. Mais si tu sais, allez. Allez, patronne. Ça ira mieux demain, va. Tu vois, tout ça, ça vaut pas la mégaine. Tu danses la valse musette? Non, je ne sais pas bien. Toute ton éducation est à refaire.
Vous avez raison. Je vais tout avouer, moi non plus, je sais pas danser le hals. Tu sais qu'il est tard? Tout le monde t'attend? Excuse-moi. Bonsoir, chérie. Tu vas bien? Je suis allée au cinéma. C'était bien? Ah oui? C'était La Dame de Pique. D'après Pouchkine, tu sais. La Dame de Pique? Oui, un film hongrois. Aucun critique en a parlé. Et là, il s'occupe plus de moi. Ouais. Pourtant, c'est moi qui lui ai trouvé la baraque. Bah, encore heureux, il t'a quand même sorti de tôle, non? T'en vas? Ah oui. Si tu acceptes de nous tenir compagnie, nous allons t'enseigner à jouer au poker. Poker? Enfin tourné. Une psychiatre découvrant qu'elle devient folle. Alors, j'ai entendu ça quelque part. Hein. C'est un peu conventionnel comme histoire. Le poker, par contre, n'est pas un jeu banal. Mais mon rôle non plus. C'est en réalité une sorte de déculpabilisation. Il est à chier, ce scénario. T'es jaloux. Quoi, moi, pleurer pour un rôle de merde? T'es sous-payé, en plus. J'ai mieux à faire. Un jeu impitoyable. On va faire une petite cave pour commencer. Alors, valeur 10 francs, 5 francs, 1 franc. Alors, voilà ta cave. Le jeu consiste à surenchérir. L'embrouille pas. C'est moi que tu écoutes. Alors, dans l'ordre croissant, la paire, les deux paires. Le brelan, 3. La quinte. La couleur. Le foule. Le carré. La quinte royale, 5 cartes qui suivent dans la même couleur. Ah, la fascinante. La quinte floche. 10, valet, dame, roi, as. Attends, non, non, moi je sens que cette place est jusqu'au moulin. Excuse-moi. C'est là que je pose mon cul. La cravate aussi, je suis monard. Tu devrais la changer. Bon, allez, coupe vite. Non, non. Tu blindes avant de regarder tes cartes. C'est quoi blinder? Miser. Il va falloir tout lui expliquer comme ça. Toi, l'idée très, tu comprends tout du premier coup. Hein. Dis donc, mon pote, tu respires l'intelligence, mais tu t'essouffles vite. Je t'emmerde. T'as blindé? Oui, oui, l'a blindé. Carte? Maintenant, tu vas nous dire combien de cartes tu veux, et puis jeter celles dont tu penses qu'elles ne te serviront pas. 3 cartes. 2. La bleue. Alors, tu es en possession de ton jeu définitif. Il faut te le faire payer. Par conséquent, tu vas pousser tout ou partie de tes jetons au centre du tapis. Ben. C'est pas toi de parler, c'est vrai. T'es 20. Plus 10. 30. Plus 20. 30 tapis. C'est bon. Ah, ah oui, c'est bon. Si. Parfait.
Alors, tu campes? Je passe. Moi aussi. Moi aussi. Avec. Tout le monde passe. Montre. Tu as deux paires, tu pouvais faire un full. Qu'est-ce que c'est un full? On te l'a déjà dit, le full, c'est 3 et 2, comme au Yam. Mais laisse-la perdre, comme ça elle comprendra. Faut payer pour apprendre. Ta mère n'est pas là? Elle est sortie? Non, je pense qu'elle n'est pas rentrée. Elle est allée au cinéma? Peut-être qu'elle joue à deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, au café. Mais quel café? Ah, ça, c'est un secret. À 10, 15, 17, 20, 21, 22. Et voilà. Si je ne suis pas gouré, ça fait 18 sacs. Bien. Bon, ben... Salut, mes frères. J'ai mes mères qui m'attendent, alors... Pour baiser? Vénard. Eh bien, excusez-moi, moi, je bosse, hein. Salut. Bien, on va pas rester là. Moi, tu le sais bien. On la refoule. Allez, on ferme. On ferme. Continue chez moi, ok? Que c'était si tard. Si tôt, tu veux dire. Ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? T'aurais au moins pu nous avertir. Ah ben, excuse-moi. Je n'ai pas senti le temps qui est passé, voilà. Est-ce que tu te rends compte que je t'ai attendu toute la nuit? Oh, tu charries pas toute la nuit. Ouais, tais-toi, tu veux. D'ailleurs, t'es rentré vachement tard aussi. Maman! Maman! Oh, Patrick. Oh, my God. Maman, au ventre. Froid. T'as froid? T'es sûr que t'as froid, hein? T'as pas l'air d'avoir la fièvre, tu sais. T'es sûr que tu es malade? Ta femme de ménage est là-haut, elle sait pas quoi faire. Si tu veux bien lui donner tes instructions. Mais qu'est-ce que tu joues mal? La belote, c'est aussi con que le Monopoly. T'as de la chance, tu gagnes. T'en as pas. Tu perds parce que t'es nul. Oh, tais-toi, espèce de petit morveux. Bonsoir. Tu sais, pour la nuit dernière... Non, ne dis rien. Ne prépare rien, je t'emmène au restaurant. Ce soir? Musique italienne, cuisine japonaise. Ah, taxino dojo wa kenko kades. Tu as mis des bas? Oui, des soies. T'es plus à la mode? Quelle mode? Quelle mode? Tu te souviens quand on habitait cette petite chambre de bonne qu'est Voltaire? Tu n'arrêtais pas de chanter.
Mais non, c'était sienne, là. C'était l'hiver, faisait froid, alors je chantais pour me réchauffer. Pas du tout. C'était à Venise. C'est là que je suis venu pour te relancer. Tu m'as suivi jusqu'au conservatoire de musique Pisani. Où tu m'as fait un exposé interminable en italien sur Stradivarius et ses violons. Moi ? Tu m'as presque tué d'ennui, alors. Avec tes commentaires sur le côté flamboyant. Je t'ai invité à dîner. Non, mais j'ai une pizza. Et ce discours en 68, à la Sorbonne, tu as parlé au moins pendant une heure. Ouais, de quoi ? Je me souviens plus. Ah si. Tu as dit que l'amour était le plus important des choix politiques. On s'est tellement battus tous les deux. J'ai oublié. Que j'existais. Alors, rien, je sommeille, je t'en prie. T'as plus envie? Vous venez, citoyen professeur. Je refuse de m'intéresser à ce jeu qui est le symbole de l'asservissement de notre société aux lois du profit capitaliste. Alors, tu comptes ? Le temps. De toute façon, on est tous au chaume du. 50. Allez, 100. Je vois. C'est bon. Deux paires. Bon l'endroit. T'as fini de m'empoudrer, toi ? Mmh. 25 ans. Adresse ? Encore ton eau de toilette ? J'ai horreur des parfums et méchant encore plus. Ça m'ennuyait de te laisser toute seule. Il vérifie toutes les adresses. Ah, les statistiques. Il m'a enlevé mon rôle pour le donner à une soi-disant vedette. Il a réussi. Écoute, vas-y si tu as envie de jouer avec eux. Ça ne t'ennuie pas, ma petite chatte? Si je retourne de Valais, peut-être que cette salope tombera malade. Valais, ouais. Dame de pique, merde. Évidemment, cette dextérité, tu l'acquerras avec la pratique. Ah, et maintenant, tu vas apprendre à filer. Alors, tu prends ton paquet comme cela. Tu le serres à sa base entre le pouce, l'index et le majeur. Et puis avec l'autre main, tu fais douce. Glisser les cartes de gauche à droite. Suspense. Vous m'avez dit de vous réveiller à 16 heures. Quoi? Excusez-moi. Moi, il faut que tu m'achètes tes gueulasses. Tout de suite. J'ai un concours de solfège. C'est très élégant comme ça. Tu t'intéresses pas au solfège, moi non plus. Oh, écoute. Et tes fils, ton mari, ils disent rien ? Il faut de l'équitation. Ah oui, comme nous avant. Oh, mais maintenant, Maxence refuse tout. Les auteurs sont récupérés, les metteurs en scène médiocres, les rôles conventionnels. Au royaume du Danemark, tout est pourri. Tu es vraiment noble? Pourquoi ça t'épate? Non, ça m'agace. Tu sais, moi, alors, les particules. Rassure-toi, il y a longtemps que je l'ai vendue, ma particule. Après, je me suis fait généalogiste.
Ah oui? Oui, je vendais des ancêtres et des armoiries à tous les gogos qui rêvaient de devenir baron ou député. Ça se vend très bien, les armoiries. Des ancêtres et des armoiries, Quand mon père est mort, j'ai décidé de devenir sérieux et d'étudier l'ornithologie. Je suis parti chercher des oiseaux en Amérique, mais je n'ai trouvé nulle part, sauf dans les musées. Par contre, dans les bars de la Nouvelle-Orléans, je rencontrais de drôles de personnages qui m'aidèrent généreusement à dilapider la fortune de ma famille. On dirait du mauvais Chateaubriand. Maintenant, c'est fini, je ne joue plus au poker. Plus du tout? Non. Mais je défausse pique, je défausse trèfle. Carreau, tu l'as joué, alors qu'est-ce qui te reste? Mais il y a 1000 ans, tu jouais déjà aussi mal. Oh, j'en ai marre, hein. Dis donc, elle est fâchée. Oh, Clémentine! Quand on a flambé toute la nuit et que vient le petit matin, on se sent nauséabond. J'ai besoin de décharger la colère contre ce monde qu'on nous a fait. De détruire les causes de mon mal et de ma haine. Oh, j'en ai marre! Tout à l'heure, c'était les moustiques, maintenant, c'est les fourmis. Ah, fourmis à terre à la recherche du pain quotidien. Oh, c'est pas drôle. Oh, pauvre chéri. Oh, voilà une fourmi plus grosse que les autres. Oh, il nous manque un quatrième. Voilà. Hé, le prof. Oui, je sais. Je suis un révolutionnaire de luxe. Ce qui est désespérant dans mon cas, c'est que je n'arrive pas à payer le prix de ma révolte. Un jour en Espagne, on m'a arrêté pour menée subversive. 3 jours après, j'étais libéré. Sur intervention d'un arrière-cousin à moi. Et pourtant deux types avec moi, mais eux, ils ont été portés disparus, comme on dit. Pourquoi tu me racontes tout ça? Tu ne comprends pas? Tu connais le poème de Pavèse? La mort viendra et elle aura tes yeux. La morte verra et avrà i tuoi occhi. C'est fou. Oui, je suis fou. Vous avez fini de lire à table, espèce de rustre. Donne-moi ton assiette, Patrick. Donne. Merci. Je te demande pas ce que t'as fait aujourd'hui, t'es libre. Tu pourrais quand même nous parler. T'as rien à nous dire ? Ça fait des années que je ne parle pas. Je m'aperçois seulement maintenant. Louise n'est pas là? Pas encore. J'ai déjà donné. Menteur, c'est à toi de donner. J'ai déjà donné, je te jure, sur la tête de mes parents. Menteur felin! Dis donc, c'est pas un négro qui va me dire ce que j'ai à faire, hein? Justement, si, t'as de graisse! Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que t'as dit? T'as de graisse! Répète-le! Mais répète-le! Regardez-vous, nous sommes tous! Retire ça! Retire ça! Tu vas le retirer! Tu vas le retirer! Mais c'est pas quoi! Je veux des excuses, papa!
ne touche pas à mon costume. Ne touche pas. Arrêtez, on ne peut plus jouer là. On va payer, on va peut-être pas gagner. Lolo, ta femme. Je suis pas là. Elle est assise. Retire ton costume. Mais calmez-vous, voyons. Mais je vous dis que nous sommes tous différents. Si, bien sûr que je rentre. Je suis en train de le gagner, ton loyer. Mais une seule loi pour le mâle et la femelle, c'est impossible. Oh, c'est pas vous qui payez la marchandise. Même moi qui suis myope, je vois bien quand beaucoup n'est à nul autre que pareil. C'est terminé, oui. Ah, on ne rit pas, hein. J'ai accepté ce rôle pour faire plaisir à Clémentine. Un souteneur qui fait chanter la femme d'un ministre. Original. Maintenant que tu fais le mac, tu vas pouvoir casquer. Et l'État qui refuse la disparité biologique. Mais l'État, c'est... Hein? Dis donc, tu pourrais pas me prêter un peu de fric, juste pour un jour? Oui, pourquoi pas. C'est l'addition. Louise, excuse-moi, tu as vu, j'ai une note là, j'ai oublié moi. L'addition? Oui, ça te gêne pas? Mais figure pas. Merci, t'es gentil. Dis donc, tu me donnes du pognon, toi? Une part du diable? Allez, on commence? T'as quelque chose à me dire? Pas ici, sortons. Qui? Ton associé. Je suis occupé tout à l'heure. Ton japonais, c'est pas à la bonne vitesse. Excuse-moi pour hier. J'ai eu tort. Mais j'étais furieux de te voir avec tous ces ratés. Tu vaux mieux que ça, tu perds ton temps. Tu crois que je le perdais moins quand j'étais secrétaire? Ton patron est un incapable, c'est vrai. Mais maintenant t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux créer. Mais créer quoi? Des hôpitaux sur commande, des cubes de luxe. Des immeubles tellement laids qui t'enlèvent l'envie de vivre, c'est ça. Ça vous révolte pas d'être au service de la bourgeoisie? D'ailleurs, j'espère que vous êtes conscient du fait que mes parents vous exploitent. Bonjour, maman. T'es allé à la réunion de parents d'élèves? Non. Qu'on ait un prof facho, des examens débitants, tu t'en fous. Pourtant, en 68, tu étais toutes les manifs. Toi aussi, tu me fais la morale maintenant? Mais pourquoi tu te bats pas pour une vraie cause? Quelle cause? Une femme, oui, oui. Il a tellement insisté pour qu'elle vienne, je pouvais pas refuser, il a trop de relations. Ne t'en fais pas, on va l'asphyxier. Elle sera tellement écœurée qu'on la reverra pas. Alors, tu nous amènes une championne? Louise. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis, photographe, un as du tennis. Stéphane,
qui a mis sa plume au service de l'écologie. Sujet bien conventionnel. La chair est triste, hélas, et tout a été dit. Cava 2500. Suivi. Moi aussi. Avec moi, 4. 3. 2. 3. Et 3, 4. 100. C'est bon. 200. 400. 300. Deux paires. Brelant. Libre et auteur. Ouvert. Suivi. Avec vous. Moi aussi. Carte. Deux. Trois. Trois. Deux. La parole est à l'ouvreur. 200. 500. 1000. 100 moins. Le temps. Je vois. C'est bon. Brelan. Foule. Je croyais que c'était ta mère. D'où viens-tu? J'étais chercher du boulot. Du boulot? Ouais, on cherchait un garçon d'ascenseur. Tu comprends, il faut que je sois conséquent avec mes idées. D'ailleurs, tu me l'as assez souvent répété. À mon âge, tu travaillais. Oh, c'était une autre époque. Le chômage, tu connais? On t'a jamais dit que des gens dans le besoin et beaucoup plus qualifiés que toi peinaient pour trouver du travail? Tiens, réponds. Oui? Non, c'est pas SOS suicidé. Allez, allez, debout! Pourquoi? Pour aller voir ce qui se passe dans le monde, celui où on bosse. Viens. Bonjour. 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 Vous avez ma femme? Bien sûr. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Vous allez bien? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le pavillon de Marinier? On l'a refait. Les commanditaires le trouvaient baroque, à cause de lui. Il avait inventé pour chaque salle des ouvertures piranesi. À propos, qu'est-ce qu'on fait avec Planté? Vas-y, toi, moi, je peux pas. Attends-moi un instant. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. On ne peut pas vous garder. Mais votre associé m'avait promis du boulot pour un an. C'est vrai. Nous avions une grosse commande et puis on nous a forcés à faire des économies. Ce n'est pas moi qui grève votre budget. Vous avez quelqu'un d'autre à placer? Un débutant au rabais? Sûrement pas. Vous connaissez mes opinions. Vous me trouvez trop lent. Mais votre associé a toujours été content de moi. Après cet hôpital, conventionnel ou pas, aucune commande. Et tu crois que c'est arrivé?
Mais qu'est-ce que tu veux, que je redevienne secrétaire? Rappelle-toi que pendant 15 ans, c'est moi qui ai fait bouillir la marmite. C'est vrai. Mais si je suis entré dans le système, c'est pour que t'en profites toi aussi. Mais où m'amènes-tu? Chez moi. Ah. Non. Je me demande si je n'ai pas quelque chose comme un rival. Un mari, par exemple. Peut-être. Enfin, tu vas pas me faire croire que lui, de son côté... Mais non. Il ne se gêne pas, lui. Il fréquentait pendant 2 ans une gynécologue. Et puis, il s'est emballé aussi pour une dessinatrice. Ça m'est égal. Je veux plus penser au passé, moi. Non. Je veux penser à jouer. À jouer, à rencontrer les grands. Les grands, grandes têtues, ce sont les riches. Bon, tu veux continuer à flamber. Tu connais la philosophie du jeu. Première hypothèse, je joue et je gagne. Tout est parfait. Deuxième hypothèse, je joue et ne perds ni ne gagne. J'aurais donc passé un moment agréable sans perdre d'argent. Troisième hypothèse, je joue et je perds. Auquel cas, ma situation présente est bien meilleure que ma situation à venir. J'ai donc bien le temps de me faire du souci. Tristan Bernard. Ici, tu as affaire à des joueurs expérimentés qui peuvent se permettre de perdre quelques briques. Le maître de maison, Maurice, est un chirurgien célèbre. Il refait les seins des stars et la peau des ministres. De Boissourd, le fils du banquier, qui a épousé la fille du roi de la bière. Ah, il y a aussi Jean-Marie Strauss. Et l'ancienne vedette du showbiz, devenue impresario. Un joueur remarquable. Mais le plus redoutable, c'est De Vernois, le promoteur. À gauche, ils prétendent que le monde est injuste et que l'argent va à l'argent. Moi, fils de paysan, je vous dis que la fortune sourit à ceux qui la méritent. Tu es sûr que tu as suffisamment d'argent? J'ai vendu un brillant qui me venait de ma mère. Tu n'as pas peur? Non. Louise. Bonjour. De Vernois, De Boissourd, Jean-Marie Strauss. Je vous en prie. Je vous laisse. La cave à 5000. Merci. La plus petite fée. Partie terminée à 4 heures. Qu'il ne joue plus du tout. Il est dingue. Il défend les opprimés. Oh, ça lui passera. C'est une crise. Je crois qu'il n'en a plus le moyen. Blinde. Sans moi. C'est suivi. Avec vous. Suivi. Carte. Une carte. Deux. Carte. Une carte. Une.
2. 3. Une pour moi. $500. Le temps. $1500. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vois. Parole. 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 Si nous faisions une petite pause. Ça permettra à madame de se reposer. D'autant plus que madame doit être fatiguée. Pas du tout. Oui. Qui? Mais qui vous a dit de m'appeler ici? Un scénario? De quelle couleur? Jaune, non, je l'ai pas lu. Non, non, je l'ai pas lu. Vous voudriez que ce soit Isabelle qui le lise? On vous rappellera. Connard. Cela m'ennuie d'insister. Mais toutes ces pertes. Il vaudrait peut-être mieux qu'elle s'arrête. Elle sait ce qu'elle fait. Tu es sûr que tu veux continuer? Oui. Par principe, nous n'acceptons pas l'échec. Comment? Ça sera la seule exception à notre règle. Encore une heure. Ouvert. Avec vous, camarade capitaliste. Avec vous, moi aussi. Suivi. Parfait, tout le monde est là. Carte. Une carte. Deux. Trois. Deux cartes. Une seule. Parole à l'ouvreur. 500. 1500. Le temps. Sans moi. 2005. 2005, et tapis. Je paye. C'est bon. C'est bon. De combien est votre tapis? 4000. Je viens de la banque.
Ils m'ont appris que tu faisais des chèques sans provision. Tu t'en fous! Tu trouves peut-être que c'est mesquin de compter. T'oublies simplement que ça fait à peine un an qu'on vit confortablement. Allez porter cette veste à la teinturerie. S'il vous plaît. Et ne me dis pas que t'as trimé pour moi. Ce de Vernois qui s'est empressé d'aller toucher ton chèque. Tu sais qui c'est? Un promoteur avec qui on a travaillé et qui nous a escroqué. Tiens, allez, va donner ton fric à ceux qui nous exploitent. Connasse! J'ai un rôle à la télé. Devine qui? Juliette Drouet à genoux devant son poète. Et tu sais comment Victor Hugo traitait sa muse? Comme une esclave. Bah, tu pars? Non, c'est bien pas là qu'il y avait le chevalier. Ah ouais? Il t'a foutu à la porte. Entre nous, il a eu raison. Chèque sans provision. C'est scandaleux. Il n'y a pas que le scandale. Il ne supporte pas que je prenne des initiatives. Mais moi aussi, j'ai le droit de choisir. Je suis libre, non? C'est cela que je cherche. Je ne fais plus de voyance. Par contre, je touche une rente. Ouais. Héritage de mon oncle, le général. Je le haïssais. Il se venge. Oh, j'ai fait ça il y a longtemps. Ici, je ne peux pas travailler. Tous les matins, je me dis, bon, cette fois, je m'y mets. Si... j'avais près de moi une femme qui... qui? Qui m'inspire. Juliette Rouet? Hmm? Non. Je ne serai la muse de personne. Excuse-moi pour ce matin, je ne savais pas que ton mari... Tu peux venir chez moi si tu veux. Oui, mais Maxence? Barry. C'est pas une perte, ils vendent que pour le Caraïdas. D'accord? Merci. Si on m'enfermait là-dedans, je me laisserais mourir ou je deviendrais fou. Tout ce boulot pour rien. Ça fait 8 jours qu'on manie ce plan. Des espaces verts, de l'écologie à tous les coins de porte. C'est à cause de ta femme? Prends un peu de recul, mon vieux. Oh, courrier du cœur, maintenant. Mais qu'est-ce que tu connais aux femmes? Je t'aime. Je ne serai jamais qu'à toi, je te le jure. Toi aussi, n'est-ce pas? Tu ne me tromperais pas. Tu me le dirais si tu ne pouvais pas me garder fidélité entière. C'est une des lettres de Juliette à Victor Hugo. N'est-ce pas que tu me le dirais? Tu ne voudrais pas me tromper? Je t'aime tant. Avec cette idée que je suis ta femme, ta seule femme en amour. Adieu, mon bel ange. Je baise tes yeux, tes pieds et le reste. Je suis à tes genoux. Je t'adore. C'est quand même beau, l'amour.
peux me trouver quelqu'un qui me les achète. T'as pris. C'est bon. Je vois. C'est bon. Vous êtes en allemand. Vous n'allez pas nous faire une crise de nerfs. Je vous donnerai pas ce plaisir. Qu'est-ce que tu veux encore? Ma moto? Voilà. Allez, va la vendre! Allez! Alors t'as peur? Je croyais que t'aimais les risques. Les risques qui coûtent qu'aux autres. Monte. J'ai revu ton copain tavernois. C'est lui? Tu ne m'avais pas dit qu'il était dans le coup. S'il se décide à acquérir le terrain, t'as comment les pondre? Bonjour. Bonjour. Vous m'en voulez encore? Votre projet était trop baroque. Qu'est-ce que vous entendez par baroque? Ce qui coûte cher et ne rapporte rien. Ici, il y avait un puits. Ils l'ont bouché. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de construire, au juste? Un laboratoire? Un parking. Ah. Le sous-sol est humide. Pourri. Si vous voulez mon avis, ce terrain ne vaut rien. Mais ça va pas, tu déconnes ou quoi? Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Aucune importance. J'achète. Et ce terrain, il l'a acheté avec ton pognon. Et celui de tous les imbéciles de ton espèce. C'est ce que tu voudrais que je construise? Même si j'en étais capable, aucun prince, aucun mécène ne m'en donnerait les moyens. Oui, je sais. Je peux encore dessiner des décors que personne ne réalisera jamais. Comme Piranèse. J'ai eu tort. Tu nous manques terriblement. Écoute, on oublie tout et tu rentres. Je ne peux pas. Alors je t'avertis. Je change les serrures. Voilà, au revoir. Papa, je te fais aimablement remarquer qu'il n'y a plus rien à bouffer dans le frigo. Je regrette, mais j'ai plus les moyens de payer quelqu'un pour aller faire les courses. Cent. Je vois. Tu peux, tu peux. Il nous a retiré la commande. Qui, Duvernois? Il ne veut pas de toi. Tu es trop lent, maniaque et pas rentable. Tu n'avais qu'à lui dire que tu le ferais avec quelqu'un d'autre. Après, on serait arrangé. C'est ce que j'ai fait. Salopard. De toute façon, il a refusé.
Ouf, mais tu es fou, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu sais jouer au poker? Moi, je ne sais même pas jouer à la bataille. La réponse est sans doute un de nos distingués créanciers. Allô? Ah, que c'est une erreur. Que le patron fait partie. Oh, que c'est parti, le patron. Que c'est parti, une Japon. C'est... Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Ah, désolé, je suis raide. Je viens d'offrir un manteau à ma femme. Et puis, si elle ne me lâche pas, elle veut que j'achète une robe rose. Dis donc, pourquoi tu joues pas aux courses? Le 605 dans la 6, un bon tuyau, hein? Excuse-moi, tu n'auras pas 100 francs à me donner? Pourquoi tu me l'as pas demandé hier? Hier, j'aurais pu, avant qu'Hélène s'en aille pour toujours. Avec ces chats qui ont besoin de soleil. Bon, ben, je te dois 10 sacs. Bon, on met ça? Ah non, j'ai un rancard. Avec un mec? Pauvre con, moi, les femmes, je les aime jeunes. Et tu vas la casquer avec mon pognon? Et même toutes. Non, on est en grève, je suis désolé. Oui. Je sais qu'il est là, Saligo. Ça fait des heures que je l'attends. Tu veux manger chaud? Eh bien, voilà! Adélaïde, t'aurais pas dû faire ça! Ta bonne mine! Qu'est-ce qui se passe? Tu restes pas pour la dernière? Où est Louise? Bah, Louise, elle est partie. On n'a pas arrêté de dégueuler cet après-midi. Le 402 n'est pas là? Bah, le 402, 402, il court encore le 402. Hé, j'ai un coup sûr que m'a donné le Hongrois. Le 704, il est à l'aise sur la distance, mais encore faut-il que les impondérables inhérents à la compétition. C'est ça, double. Je dois d'ailleurs le jouer pour Clémentine. Clémentine. Il faudra toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle. À part les fringues, elle connaît rien. Ah, mon cher Maxence, je te trouve bien amer. Allez, viens, tu vas te refaire. Tu pars. On va aussi jouer une petite pièce pour Louise. Allez, rentre, va. Rentre, femme sage, merveilleuse épouse, plus précieuse qu'une perle. Mère aimante. Faut que je me refasse. Faut que je gagne. Comment je suis de mauvaise foi? Eh ben oui, la sauvegarde de l'humain, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vis ma vie. Allez, fais pas l'idiot. Faut que maman revienne, faut qu'elle revienne. Ma chère tante, la dernière fois que je suis venue te voir, tu m'as demandé si je n'avais besoin de rien. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me prêter un peu de blé, d'argent? Hein? J'ai plus,
C'est plus drôle, ils ont supprimé l'émission. Qu'est-ce que t'as? Tu pleures? Non, c'est rien. Dis-toi, non, mais j'ai gagné au loto. Tu veux combien? Rien, de quoi prendre le train, c'est tout. Je vais aller chez ma tante. Écoute, ma tante m'a laissé une petite fortune. Tu me crois pas? Je veux la revanche. Si tu veux t'attaquer aux riches, vole-les. Tue-les. J'ai des amis guerrieros qui s'organisent au Brésil. Je pars les rejoindre. Et puisqu'il faut mourir. Mais avant de mourir, tu peux bien m'aider à gagner quand même. En attendant, je dors. Laisse tomber tous ces cons, viens dormir avec moi. Seulement dormir. Écoute, si je gagne, je te le jure, j'arrête de jouer. Et si tu perds? Même quand on a tout perdu, on croit encore qu'on va gagner. La roulette russe, tu connais? Ne sois pas stupide. Va flamber, je t'aurais prévenu. Têtu. Messieurs, rien ne s'oppose à ce que nous commencions. Qu'est-ce que vous buvez? Champagne. Voilà mon blême. Champagne. Vous connaissez l'histoire de ce type qui a acheté un manoir et qui, pour faire plus vrai, a fait couper l'électricité et va chercher l'eau au puits. Ça, c'est une histoire de promoteur. Pourquoi sifflez-vous? Oh, excusez-moi, c'est tout à fait naturel. Sans moi. Arrêtez de siffler. C'est bon. C'est bon. Eh bien, voilà un pot. Ouvert. Ouvert. Suivi. Ouvert aussi. Avec vous. Carte. Une. Deux. Les mêmes. Et trois pour moi. Parole à l'ouvreur. Parole. 2005. 5000. Le temps. Arrêtez de siffler. C'est bon. Je paye aussi.
2005. Tapis. C'est bon. Le temps. Je vois. Sans moi. C'est bon, je peux prendre l'avion? Oui. Oh, pour les nègres de Bahia, oh là là, oh là là, je fais sauter l'hacienda. Tu viens avec moi? Non. Non? Si tu veux te battre, tu te bats ici. Je te l'avais déjà dit, non? Tu en es bien sûr. Bravo, Louise. Bravo, Louise. Et une tournée pour Louise. Vous êtes en beauté, hein. On dirait la princesse Margaret, hein. Oh, fous-nous la paix avec tes princesses. Et oubliez pas les copains. À la victoire du peuple, chère Louise. Et comme dirait Brecht, le peuple n'est pas d'accord avec ses dirigeants. Élisons un autre peuple, hein. Oh, tu connais Brecht, toi? Ah, Louise. Et toi, tu connais Stanislas Trikovski? Stanislas quoi? Stanislas, le tailleur de mon père. Dans le cul, l'entier. J'ai enfin un rôle. Oh, bah c'est formidable, tu dois être contente. Ah oui, drôlement. Eh, hey, qu'est-ce que c'est comme rôle? La femme vampire. Une merde. Vampire. Allez, allez, champagne. Dis donc. Oh. Ma veuve. Chin, Louise. Voilà. À Louise. Mais où est notre chevalier? Il est chez lui. Il fait le bagage. Ah, tu me rassures. Tu sais qu'un jour, il est allé jusqu'à l'aéroport. Manque de bol, c'était la grève des pilotes. L'avion décolle. L'avion décolle. Mais il le fait exprès. Duvernoy était vexé que ma femme, enfin, la femme d'un architecte qui prend pour de la merde, ait pu gagner. Pas de quoi. Je suis toujours perdu. Bêtement. Ils sont trop riches. Ils m'ont massacré. Enlève tes lunettes. J'aurais mieux fait de te les donner, cet argent. Ça n'aurait pas suffi à payer les créanciers. Plus de commandes, on avait décidé de fermer l'agence. Puis tout à coup, miracle. Un farfelu nous appelle, il veut faire construire un hôtel. Je suis content pour toi. Une pagode au bord de la mer. Tu vois le genre? Tu me demandes pas des nouvelles de tes fils? Tu réclames? Si, j'ai envie de voir mes enfants, oui. C'est pas pour ça que t'es venu. C'est pour nous deux.
la solitude. Que je ne puisse communiquer avec la tique, insecte, aveugle et sourd. Mais toi, mon semblable. Ça fait une petite? Allez. 421 à fond, et je pars avec toi. Tu te fous de moi? Mais c'est débile. Débile. À quoi? Regarde ça, Clémentine. Hop. 422. Cher. Dis donc, c'est vrai que tu vas vendre? On les laissera pas détruire notre bistrot. C'est complètement con. J'espère que tu en es consciente. Qu'est-ce que vous prenez? Un rosé d'Anjou. Ton valet de carreau, tu te le gardes. Tu veux prendre ma cœur, capot. Tu veux prendre des lunettes pour regarder dans mon jeu, non? Bah, tu peux rien faire. Allez, attends-moi de faire. Donne.